tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Alors, cette fois, comme je vous avais dit il y a quelques jours, on va essayer, en passant à la dernière étoile, là, je suis obligé de vous avouer, je l'aime vraiment pas, puis je retenterai plus de reproduire des paysages en abstrait, en coulage acrylique. C'est fini pour moi, là. On passe à d'autres choses. Oui, comme je vous dis, on va essayer quelque chose de spécial, puis je dois vous avouer que j'ai fait un petit test avant. Pour les mêmes raisons que je vous dis toujours, quand vous n'êtes pas sûr, essayez-les avant, faites un petit test, une petite toile. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire, on va tenter de reproduire l'effet du marbre. Marbre blanc, veiné noir, évidemment sur le canevas. J'ai fait une tentative. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois l'ouvrage terminé, je voulais voir ce que ça donnait en mettant du silicone en aérosol par-dessus avant même que la toile sèche. Écoutez, ce que ça a donné, c'est très intéressant. Vous allez le voir là ou là. C'est très intéressant, mais je crois que si on veut obtenir un effet de marbre, le silicone n'a vraiment pas d'affaire là-dedans. Alors, ce qu'on va faire cette fois, je vais le faire sur une plus grosse toile. Mes toiles ont tous environ 14 par 16. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre acrylique seulement qu'avec de l'eau. On ne prendra aucun médium. Et puis la consistance, parce que si vous me suivez, vous savez que ma consistance, j'aime toujours qu'elle soit entre le lait et le yogourt, en fin de compte. Mais cette fois, pour obtenir ce que je veux obtenir une consistance qui est un petit peu plus épaisse. Disons, un petit peu plus diluée que le yogourt, mais à peu près dans cette texture-là. Alors, vous allez voir, c'est ce qu'on va essayer. On s'en va essayer ça tout de suite. Alors, on essaie l'effet marbre. We'll be right back.
Eh bien, voilà un autre de terminé. Je suis vraiment content du résultat. C'est vraiment, comme je vous avais montré, et je vais vous remontrer à nouveau, ce que j'avais fait dans ma petite pratique, la petite expérience que j'avais faite avec un petit peu plus petite toile. En fait, c'était des 8 par 10, là, c'est des 14 par 16, ou 12 par 14. En tout cas, je vous confirmerai ça. Définitivement, c'est mieux de laisser tel quel. Si on veut reproduire l'effet de marbre, c'est évident qu'il ne faut pas rajouter aucun médium. Il ne faut pas rajouter de filtre, il ne faut pas rajouter rien de ça. On va l'essayer éventuellement, mais pour l'instant, si on regarde les résultats, c'est évident que juste l'eau et l'acrylique, c'est suffisant et ça fait vraiment la job. Là. C'est une belle reproduction. Peut-être la seule chose que je trouve, peut-être qu'un petit peu trop de jaune. Alors, ce que je ferais de différent, le refaire, évidemment. Éventuellement, on va le refaire. Là. On ne pourra pas faire 100 000 affaires différentes. Là, à chaque fois, on va toujours faire... La seule chose que je ferais un petit peu différent, ça serait peut-être de mettre un petit peu moins de jaune puis un petit peu plus de noir pour donner du veinage un petit peu plus noir. Malgré que là, c'est super beau, le jaune ressort quand même beaucoup. Puis vous allez voir là, la différence là, que j'ai fait, parce que j'ai fait la même chose avec ma petite expérience, sauf que j'ai mis du silicone en aérosol par-dessus, j'en ai mis beaucoup. Évidemment, ça a donné des cellules, ça a donné des petites cellules, mais on ne peut pas dire que ça donne un résultat qu'on pourrait dire marbré. Alors, je suis vraiment content du résultat, comme je vous dis, et puis ça ressemble passablement au marbre. Alors, je trouve que sur un mur, ça va être bien. Alors, encore une fois, on va essayer d'autres choses de différentes aux prochaines vidéos. Alors, revenez-moi aux prochaines vidéos de peinture. Attention à vous. Ciao.